Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur un arc du Cthulhu. Ok, bah c'est raté. Non, c'est un arc du Chaleuil. Non, mais vous, c'est pas grave. J'arrête pas d'FM plein d'items. J'ai déjà fait je sais pas combien de brisages PA sur les dernières heures. C'est un arc du Chaleuil. Hein. C'était un fail du joueur français, mais c'est pas grave. Alors, c'est un abonné qui m'a passé ça. C'est le sien. Il a déjà brisé 13 PA dessus pour essayer de choper un GPRF. Il n'y est pas parvenu. Ma théorie, c'est que pour ce genre d'items qui sont un puits PO ou même pour ceux qui sont un puits invo, il vaut mieux les FM, attendre que le PO tombe, utiliser le puits, ensuite mettre le PA et ensuite remettre le PO. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est selon moi la façon la plus ambitieuse de faire, mais qui peut donner du très 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 gros jet. Donc, bah on est parti, les amis. On est parti, on va quand même essayer de s'approcher du G perf au maximum. Et let's go, hein, j'ai envie de dire. On va commencer par les crits. Ok. Voilà, bon, ça tombe assez vite. On n'aura pas le perf sagesse. Les deux poux vont être compliqués. Je vais les garder pour la fin, les deux poux. Là, pour l'instant, j'ai 92. Hein. Hop. On va commencer par s'occuper de la vita avant toute chose. Moins 10. J'ai 27 en over. En vrai, 27. On peut réfléchir à ce qu'on peut faire avec de la rune pod. Rune pod, je peux avoir moins 13. Je peux avoir du moins 13 et du moins 15 qui me font du moins 28. Auquel cas, on a 399. Ou on peut aussi tenter 5 runes qui pèsent 1 en espérant avoir 2 moins 6 dans le lot, ce qui nous fait le moins 27. Les amis, je crois qu'on va partir là-dessus. On va mettre nos meilleures runes innées. Voilà, il me faut encore 1 moins 6 et je suis bon. 5. 6, voilà, là maintenant il me faut plus que du 5, ah dommage. On a eu 1 moins 6 de trop. En fait, quand vous mettez des runes qui pèsent 1 sur un over vita, vous pouvez avoir moins 5 ou moins 6. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et là, il m'aurait fallu 1 moins 6 en moins et 1 moins 5 en plus, et j'avais le pair vita. Bon, c'est quand même plutôt clean. On va pas cracher dessus, ça s'est quand même plutôt bien passé dans l'ensemble. Ensuite, ça passe pas, donc moins 7. Bah là c'est unlucky, hein. Là, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, hein. J'ai envie de dire, bon, bah, le brisage est ruiné là-dessus. On a moins 50, bah, il fallait y aller, hein. Il n'y avait pas à chipoter, il fallait oser y aller. Mais bah, écoutez, on n'a pas eu beaucoup de chance, hein. C'est unlucky. Donc, bah, écoutez, j'ai envie de dire rip, hein. Vraiment, là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, on va quand même continuer pour le fun, mais le brisage est un peu ruinax. Ouais, bah c'est fini. Voilà, c'est la fin de ce brisage PA, j'espère qu'il vous a plu, c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'espère que vous passez une bonne soirée, etc. À bientôt!